Les amis, la pause s'en fout. Les amis, ils ont bien, j'espère que tout le monde a bien fêté, tout le monde a bien amusé, tout le monde a bien boire et manger. Hein, bon, voilà, les meilleurs vœux, etc. On fugé, je suppose. En fait, si audio là, ça j'en là, pour ne pas parler si bon, bazote. Parce que en recevant le message hier, ça fait un plaisir. Hein, j'ai voulu remercier tout le monde d'une manière générale. Et encore une fois, souhaiter la une bonne et heureuse année à tous les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, toute la diaspora, entre guillemets. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bon, bonne année, c'est protocolaire, on sait très bien que rien ne va changer, les années, bon ben. Moi, quand je souhaite la bonne année, moi je souhaite la bonne année à tout un chacun individuellement. Hein? Mais il faudrait que vous l'acceptiez, que vous le receviez de manière individuelle. C'est-à-dire que le gouvernement, le système, la vie, hein? Bon, on sait très bien qu'il faudrait rester quand même positif. Bon, on sait très bien que les choses ne vont pas évoluer. Hein? Regardez les 5-6 dernières années, les choses ont été de mal en pire. Mais souhaiter la bonne année individuellement à tout un chacun, c'est responsabiliser tout un chacun. C'est-à-dire que c'est chaque personne qui doit... Jean-Roger Cabanon, c'est Jean Radomi. Chaque personne doit aménager sa vie, son hygiène de vie, son quotidien, de manière à faire en sorte que les choses aillent mieux. Par exemple, prendre soin de sa santé. Vous devez peut-être savoir qu'il ne faut pas se boire coca, il ne faut pas se manger cochonnerie, etc. Il faut se restreindre dans son lobitain, faire un bon sport, courir un bon, etc. Chaque monde, voilà, c'est chaque monde qui a aménagé, train de vie à yo. Voilà, la vie est faite de choix. De choix. Il ne faudrait pas qu'on se laisse non plus imposer par le système. Le système qui nous dissie, le système qui nous ralentit, qui rend nous oisifs, qui a désespéré nous à travers ces cas. Il faut nous rester fort en tête en nous. Et voilà, c'est le plus important. Alors, en TV Ravine, si on l'a oublié, message qu'on recevait, parce que hier, les amis, sur tous mes réseaux respectifs, on recevait un paquet de messages. Et on ne peut pas répondre chaque monde individuellement. Donc, quand je veux remercier tout le monde, toutes les personnes, sans exception, qui m'ont envoyé des messages de réconfort, des messages de soutien, des messages d'encouragement, des messages d'amour. Voilà, je voulais remercier toutes ces personnes. Et je voulais vous faire savoir que ce que je fais là, c'est grâce à vous. Hein? C'est grâce à vous. Hein? C'est grâce aux messages que je reçois, vos messages. Qui me permettent, c'est mon énergie entre guillemets, c'est mon essence. C'est grâce à ça, c'est ce qui me donne la force de continuer à faire ce que je fais. Hein, c'est pas de l'argent, etc. Et voilà, là, l'argent qui revient, qui me donne l'argent, mais c'est pas ça. Là, n'est pas la question. C'est-à-dire que les messages que je reçois, mais ça me réconforte, ça m'enrichit, ça me rend plus fort et ça me donne confiance en moi. À travers ça, je voudrais répondre aussi à un certain nombre de messages que j'ai reçus. Parce que j'ai reçu plein de messages également de certaines personnes. Vous savez, on ne pourra jamais créer, enfin je parle de moi, je ne pourrai jamais créer 100% d'adhésion. Hein, il y aura toujours des pour et des contre. Mais j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont touché. Hein, je vais vous expliquer par rapport à quoi. Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'au début, qu'ils m'aimaient bien, qu'ils m'appréciaient beaucoup. Et au final, ils ont constaté que j'ai dévié un peu, qu'en vine raide, en dessin voyou, ça a failli la peine, etc. Des vrais gens en vine, etc. Bon. Moi, je voulais répondre à ces gens-là, hein, parce que voilà, moi je réponds à tout, hein, je réponds à tout. Il ne faudrait pas répondre que lorsqu'on a des messages positifs. Oui, j'aime bien ce que tu fais, continue, vite, ça, on reçoit ça tout le temps. Mais ce genre de messages, comme ça, ce sont des messages vrais, hein, les messages que j'ai reçus là, où il y a des gens qui me disent franchement qu'ils sont déçus de moi, mais c'est le jeu, ça fait partie, c'est normal. Et je remercie ces gens-là justement de me dire la vérité, hein, parce que c'est facile de dire à tout le monde, oui, tu es beau, tu es gentil, on t'aime. Mais lorsqu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas appréciable de la part de la personne dont vous suivez, eh bien, il faudrait aussi que la personne puisse s'expliquer là-dessus. Donc, alors, je vais m'expliquer sur ça. C'est-à-dire, les amis, vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez demander à n'importe qui me connaît, à Guadeloupe à l'époque, moi, je suis quelqu'un de bon. Je suis quelqu'un de gentil, un homme bon qu'un. Un mémoun, un mes amis, un mes la vie, un voilà. Si on a fait ça, on a fait la jode là, c'est bien parce que on aime les autres. C'est bien parce que, voilà, on y a un qui est faible. Pas ça pas beaucoup qui est faible, mais on y a un bon cœur en tous les cas. Et on aime les gens, on vit, tout le monde vit bien. Voilà, c'est l'objectif en vrai. Et aussi, en vrai, Jean-La Guadeloupe, t'es belle. En vrai, Jean-La Guadeloupe, t'es belle. En vive Guadeloupe, en grandit Guadeloupe.
C'est Guadeloupe qui bat. Si on l'a là, c'est grâce à la Guadeloupe. Et sans qu'on constate qu'il y a eu fait de la Guadeloupe, ça a enragé moi. Ça a enragé moi. Non, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas arrêter par dire rien. Mais il faudrait savoir, les amis, que lorsque j'ai créé la Poste Sans Filtre, je sais très bien que ça n'aurait pas été facile, les amis. Parce que vérité pas bon à entendre, vérité pas bon à dire. On ne peut pas apprendre quand on dit la vérité. Et je savais très bien, les amis, que j'aurais été attaqué de toutes parts. J'aurais été attaqué de toutes parts. Et je suis attaqué de toutes parts. Les amis, moi, c'est bon, je ne vais pas pleurer, peine à moi. Mais il y a un lot, bite les négatifs qui arrivent. On ne va pas parler parce que moi, c'est bon qui raide. Mais il faut savoir, les amis, que sans qu'on fait là, combat là, qu'on mène là, son combat qui est très, 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 très raide, les amis. Et en tout seul qu'on a affronté. Donc, les amis, on est obligé d'être raide. On n'est pas méchant, mais raide. On est obligé de mettre en carapace. Obligé voilà protéger moi dans l'obité parce que si on pas capable protéger moi et on pas red con il là les amis et ben peut-être qu'on pas qu'a fait ça encore hein on dit peut-être déjà arrêté ou dit peut-être déjà fait moi arrêté ou dit peut-être voilà mais obligé les amis voilà on peut pas faire concession obligé être red obligé répondre red obligé entre en amour les amis c'est comme ça parce que c'est la guerre aussi c'est une guerre les amis qu'il y a entre les militants et nos oppresseurs c'est une guerre les amis. Et c'est une guerre quotidienne, c'est une guerre de tous les jours. Je suis obligé d'assumer cette guerre et me mettre dans des conditions de guerrier, les amis. On est soldat, on est guerrier, on est obligé de faire ça. Mais ça ne veut pas dire, les amis, qu'on est buté contre le monde. Mais tout le monde, c'est vrai qu'on blesse le monde. Hein? Ce sont des dommages collatéraux. Hein? On est obligé de passer par là par un moment. Mais il faut savoir, les amis, que moi, je ne peux pas attaquer Guadeloupéen. Les mondes sont vrais qu'à attaquer, c'est répondre quand on répond. Les gens dans la guerre, c'est les élus qui ont mal fait travail à eux, pas qu'à généraliser. Hein? C'est juste les élus qui ont mal fait travail à eux, les béquilles, les oppresseurs, blancs qui permettent nous, etc. C'est la relation, c'est yo les amis, ciblant moi, à pas Guadeloupéen comme moi-même. Si ça aura un problème avant Guadeloupéen, comme moi-même, c'est essayer qui a changé. Et c'est répondre à répondre. Il faut répondre vite, les amis. Obligé de répondre, obligé d'être vite. Ok? Donc voilà, c'est juste ça. Moi, pas changé, c'est toujours le même. Hein? C'est beau qui, voilà, je crois bien vrai, j'en ai. On va essayer d'être le plus simple possible. Il y a le monde qui a dit, ouais, mais Eric, tu sais, tu es une personnalité publique, il faudrait que tu sois comme ci, comme ça. Les amis, moi, je n'ai pas envie d'être, j'en ai, consort même. J'ai dit, je n'ai pas parlé de ça, envie que nous en proximité, je crois reconnaître ça, sans qu'on a dit. Je n'ai pas envie de changer pour le monde, sans pour le monde. Passer pour un journaliste, vin slave, bien habillé, parler belle français. Non, les amis, il n'y a pas d'habitant à ça, les amis. Parce que moi, ça, tout ça qu'a fait, c'est du vrai, c'est pas du fake. Hein. Parce que nous, on l'a qu'a fait semblant. Nous, on vient bien habillé, bien habité, parler belle français, etc. pour nous convaincre les autres. Mais moi, on n'a pas dans la relation. On n'a pas là pour convaincre mon monde, là justement pour faire des messages passer, conscientiser les Guadeloupéens, dénoncer les habitants, foutre vérité en gel à eux, et puis voilà. Ok? Alors, c'était message à Saint-Denis à faire passer pour répondre à ces mouna qui. Alors, toutes les personnes qui m'ont envoyé ce genre de. Enfin, pas ce genre de message, mais ces messages, sachez que je suis le même. Je n'ai pas changé de iota. Mais la seule chose, des amis, c'est qu'on est obligé de traîner. Sans pour cela dérespecter bon monde, sans pour cela porter atteinte à bon qualité bitin, mais parfois, les amis, obligé de mettre sa bandée. Ok? Alors voilà, les amis, ben, nous ne pas faire comme ça. Hein? Ben 2024, hein, en souhaité les autres, tout ça en tenir à souhaiter les autres. C'est le butin, les amis, c'est la santé. Prends soin à la santé à autres et restant là, ben, ils ont qu'à acheter. Ok, parce que c'est le butin qu'on peut pas acheter, c'est santé. Ok, nous pas faire comme ça, le pot s'en fout.